Quaker. Please be seated. Court is now back in session. The floor is now given to the assigned civil party lawyer to continue putting questions to this witness. You may proceed. Civil party lawyer, thank you, Mr. President. La partie civile. Merci, Monsieur le Président. Mr. Sopong, I'll continue my question now. Monsieur Sopong, je yesterday you vais continuer testified avec mes questions hier in relation to your uncertainty during vous your interview with the Office of the Co-Investigating Judges lors de votre audition and that par those statements should not be used. My il y avait certaines choses dont vous n'étiez pas certain et que donc you will not ce stand que vous avez by dit the statement that is the entire statements you made before the office of the co-investigating judges or just portions of those statements. En disant cela, est-ce que vous parliez response de l'ensemble de vos déclarations devant les co-juges d'instruction ou simplement I'd like to clarify de certaines this issue de vos déclarations. The content of the interview pour préciser, with the Office of the Co-Investigating Judges, that is those words that I used perhaps or maybe for those au bureau des co-juges d'instruction, with the maybe or perhaps or sorry removed que j'ai from pu dire the statements that I made. J'ai utilisé les termes peut-être counsel et ce sont ces phrases-là. Are you implying that the whole statement, so the entire statement, shall be removed or just a portion? Êtes-vous en train Mr. de President, dire qu'il faut supprimer l'ensemble the response by the witness is already clear. Le président, you don't need to le témoin ask a donné again. Une réponse claire. Il est inutile de renouveler cette question. Thank you, Mr. President. I'll move on. Maître Tisserina, merci, Monsieur le Président. I seek your permission, Mr. President, avec votre autorisation, to, this, Monsieur le Président, to use the document E3/64, and in Khmer is 0032, 8040, and English 00334057, and in French 00417 07. The prosecution asked you the question that le procureur vous a posé une question. Before I put the question, I'd like to seek permission first from the bench. De poser ma question, j'aimerais demander l'autorisation President, des juges. Yes, you may proceed. Le président, oui, allez-y. The co-investigating judges asked you a question that in that telegram there is a request for opinion. Vous en parlez d'un télégramme. And you reply that for certain matters, if Polpot could decide, then Polpot would respond immediately. However, on certain matters, and when it was related to the entire committee, then Pol Pot would convene a meeting within the committee for a decision. Can you clarify on those certain issues that Pol Pot could not decide on his own? D'une décision ensemble. Donc, pourriez-vous nous dire quelles étaient les questions response que Pol Pot ne pouvait pas résoudre seul? Regarding that telegram, I clearly stated that I was au sujet not de ce sure. Télégram, and the word perhaps j'ai bien that dit I used, ne pas être certain. It means I was not certain. J'ai utilisé le terme peut-être, justement, so I'd like the court not to rely on that portion of my que statement. La chambre ne tienne pas compte de cette partie de ma déclaration. Thank you. Question.
Merci. Question. Through your experience in decoding telecrimes, and as you saw the communication between the BAS and 870 committee, de voir des communications entre les BAS et le comité 870, any meeting by the standing committee take place in response to the incoming telegrams? Comité permanent convoqué suite à l'arrivée de télégrammes. Response. I did not know, as réponse, I was not a member of the standing car committee. Je n'étais pas membre du comité permanent. Thank you. Now I move to my next question. Merci. Je passe à une autre question. It is related to document E3/67, that is your second interview with the OCIJ. The EIN in Khmer is 00-9-4545 in English, 0048-39-73, and in French, 00-37-4940. 49-40. In your response, you state, as for letters from Nguyen Chi, I used to decode them as well, but it was not frequent. The question is the following. What were the content of the messages that Nguyen Chi asked you to decode? Response. Nguyen Chi dealt with the meetings of the People Representatives Assembly. So before the meeting, he would invite members of the Assembly from the bases. Les réunions de l'Assemblée, il convoquait des membres so de l'Assemblée qui it only étaient dans occurred les bases. Once. Cela year, ne se produisait qu'une fois par an. It did not take place on a daily or weekly basis. Et non pas de façon quotidienne, voire hebdomadaire. You said it was held question. Once every year. Vous dites que so cela se tenait une fois par an. So how many times were the assembly convened during the entire combien period de fois of the regime? Convoqué cette assemblée pendant l'ensemble de la période du régime? Response. I only received one message, and it was in 1977. Je n'ai reçu qu'un message. And after that, en 1977. Due to the situation in the country, the assembly did not convene. Compte tenu de la situation prévalant dans le pays, l'Assemblée ne s'est plus réunie. D'après mes souvenirs, c'est la seule fois que Nguyen Chi a envoyé un message aux membres pour les convoquer à la réunion de l'Assemblée. Question. Merci. J'aimerais utiliser le document suivant. I believe the witness already has the document as it was delivered from the prosecution to him. Car le procureur le lui a fait remettre. I have supplementary questions regarding that document. À ce propos. In addition to the questions asked by the prosecution, en plus de celles déjà posées par l'accusation. President, yes, you may proceed. Le président. Counsel, je vous thank en prie. You, Mr. President. La partie civile. Merci. In relation to your chart, il s'agit du schéma que vous avez dessiné. In relation to the boxes, that is
70 committee, il y a un rectangle presidium, disant comité 870, ensuite présidium et ensuite encore un autre rectangle, à savoir assemblée des représentants du peuple. The question is, voici ma question. Did these three bodies communicate de quelle manière ces trois entités communiquaient-elles par le biais des télégrammes? Response. In relation to the réponse. Communication between the pour ce qui est des communications committee, entre le comité 870, le présidium de l'État et l'Assemblée, je n'ai jamais vu de télégramme convoquant de réunion entre ces entités and if they parce que toutes étaient établies. That was not difficult. There was no le need to use the confidential message by pas my besoin team. De recourir aux messages confidentiels dont se chargeait mon équipe. Counsel, my next question question. Is related to your testimony. Je voudrais évoquer ce que vous avez dit dans votre déposition. Your testimony from the 29th August up le 29 to this morning, août your response mainly dealt with et jusqu'à ce matin communication vos réponses via telegram principalement sur les communications par telegram à l'intérieur du pays. Cambodia qu'en est-il and other de l'échange de télégrammes entre le how Cambodge et d'autres pays? Comment les choses did se passait-elle? Any of the telegrams from overseas sent to 870 committee? Est-ce que des télégrammes venant de l'étranger étaient envoyés au comité 870? In relation to réponse. Overseas telegram, I could not grasp them fully. So I am je in no position ne connaissais pas to pleinement la situation you. Concernant les télégrammes et l'étranger. Je ne peux donc pas vous répondre. Counsel, thank you. Question. What about the Ministry of Foreign Affairs? Qu'en est-il did du ministère des Affaires étrangères? Telegram through 870 committee. Mais ce ministère a-t-il jamais envoyé de télégramme au comité 870 par le biais de votre committee? Unité ou bien le faisait-il directement? Response. Réponse. Ministry of Foreign Affairs was located le ministère des Phnom Affaires Penh. Étrangères avait son siège à Phnom Penh. There was no telegram communication with my team. Il n'y avait pas de communication par télégramme avec mon équipe. Counsel. Question. If not, how did they dans communicate? That is, the communication between the de Ministry façon, of Foreign Affairs le ministère and des Affaires committee? Étrangères communiquait-il avec le comité 870? Response. I did not know. Réponse. Je n'en sais rien. Counsel. At the Ministry question. Of Foreign Affairs, did they have their own le ministère des Affaires team? Étrangères possédait-il sa propre équipe de décodage? President, witness, le please président, hold. Témoin, veuillez attendre. Counsel Michael la Carnavas, you may proceed. Maître Carnavas. Thank you, Mr. Maître President. Carnavas. Good morning, merci, Your Honors. Good morning to everyone bonjour. In and around the courtroom. À toutes les this question was présent. Asked yesterday. I don't cette know whether the lawyer was present yesterday when hier. The gentleman je did answer that question. Si l'avocat était présent, in response to a question posed by the prosecution, therefore there's no need to ask question the question again unless et donc pas besoin de reposer to see whether the gentleman called something differently today than what he stated yesterday under oath. Thank you. Sauf si c'est pour voir si le témoin va dire aujourd'hui quelque chose de différent de ce qu'il a dit hier sous serment. Counsel,
this question is just to get his further confirmation. Si j'ai posé cette question, c'est pour obtenir whether in each ministry it had its own decoding team. Si chaque ministère avait sa propre équipe de décodeurs. In the cases that the transmission of overseas telegram did not go through, si la transmission des télégrammes de l'étranger ne passait pas par son unité, mais pouvait s'adresser directement au comité 870, j'aimerais que le président dise. With all due respect, Mr. President, and I'm not trying to debate the point, but now there's a fact which is not evidence. Counsel is testifying and is making assumptions. Que l'avocate and therefore, I would object to that commentary. She's trying to testify as to what may or may not have been happening as to the Ministry of Foreign Affairs. Se produire au ministère des she could ask the question whether the gentleman had any experience with the Foreign Affairs. Au témoin if the answer si is no, then we move on, as opposed to speculating as to what may or may not be happening at the Ministry of Foreign Affairs. There may be other witnesses that could enlighten the parties and the chamber. Thank you. President, thank you, counsel. Merci, maître. The chamber already reminded the witness of his obligation. La chambre a déjà rappelé au témoin quelles étaient ses obligations. Tries to his best to listen nous avons constaté the questions que le témoin and respond faisait de son mieux pour écouter les questions et y répondre. And he even requested to change his le témoin previous statements when he was not sure. À ce que soient modifiées ses dépositions précédentes en cas d'incertitude. Et cela fait référence aux auditions menées par les enquêteurs du bureau des juges d'instruction. Le témoin essaye de déposer de manière adéquate. Any assumption. Il essaye d'éviter toute supputation. As we observed yesterday before the lunch break, comme nous l'avons observé hier, responses were presumptuous. Certaines réponses prenaient la forme d'hypothèses. La chambre l'a signalé et à la reprise des audiences, la chambre a rappelé au témoin ses obligations en lui disant qu'il devait répondre en se fondant seulement sur sa connaissance personnelle, sur sa propre expérience et ses observations. In relation to the events related to the questions posed to him, and that is clear to everyone. Tout cela est désormais clair pour tous. The objection raised by the counsel is ungrounded. L'objection de la défense est sans fondement. That question. Le that témoin question is different doit from répondre the question à la put to him question. Yesterday. Celle-ci n'est pas la même que celle qui a été posée hier. Witness. Le témoin. Regarding the communication from overseas. Concernant les communications envoyées depuis l'étranger. The communication existed. À l'époque, je savais que de telles communications including existaient. The diplomatic relationship. Notamment dans le cadre des relations however, diplomatiques. When it comes to telegram communication. Mais pour ce qui est de la communication sous forme de télégramme. And as I did not have any instruction or directions to deal with any matters concerning the Ministry of Foreign Affairs. Pour traiter de questions reason, en rapport avec le ministère des Affaires étrangères, raison pour laquelle counsel, j'ai préféré ne pas répondre. Response. La partie civile. Merci pour votre réponse. Now I move on to my next question. Question suivante. Yesterday you raised the issues of the 870 committee and hier, the center. Vous avez parlé du comité 870 et du centre. The question is how many members within 870 committee? To your knowledge? À votre connaissance, combien de membres le comité 870 comportait-il? Response. Réponse. I did not know
How many members were within 870 committee? Combien de membres le comité 870 comptait? Nor I knew who were the members. Je ne savais pas non plus qui étaient les membres. Council. Question. I'd like to go back a little bit. Je reviens quelque peu en arrière. On 29 August 2012, revenons à l'audience du 29 août. You testified in your response to the prosecution. En réponse à l'accusation, that vous avez dit, it is related to the front battlefield and the rear battlefield. Qu'il y avait une question en rapport avec in order to resolve le front at the front et battlefield, l'arrière, à savoir que pour régler les problèmes sur le front, without having to go through or seeking opinion from the rear battlefield, or was it need to be done by seeking the opinion first from the rear battlefield? L'arrière. Response. In relation to the work that I did at the rear battlefield. Réponse. Concernant le travail que j'effectuais à l'arrière. There were only telegrams concerning the victory. Il n'y avait que des télégrammes sur les victoires remportées sur le front. And that messages would be broadcast on the radio. Ces messages étaient diffusés à la radio. However, when it comes to other domestic matters pour at the rear battlefield, questions intérieures there was en no rapport avec instruction or l'arrière, accent. Il n'y avait pas d'instruction. Throughout the period that I stayed at et ce, durant toute la période field, où j'étais dans la bananeraie, for about half a year, soit environ un an there et demi, no telegram plutôt communication environ six mois, se reprend l'interprète. The front and il n'y a the pas eu de communication entre le front et l'arrière. Mainly, there were messages to be broadcast. Il s'agissait essentiellement de messages à diffuser. Council. Based on your experience question. In the decoding team, sur la base de votre expérience au sein de l'équipe de décodeurs, was there any sector or zone pouvez-vous dire that failed s'il y avait to report des zones to 870 ou des secteurs qui ne faisaient pas rapport au comité 870 if there were no reports, et dans ce cas-là, was the 870 committee aware of it? And if so, est-ce que le what comité were the measures 870 or the reaction by the 870 committee? En était au courant, et si oui, quelle a été la réaction de ce comité et quelles ont été response. Les mesures décidées par celui-ci. Regarding the reports from the lower to the upper s'agissant level or from the upper level to the lower level, envoyé par l'échelon inférieur à l'échelon supérieur et vice-versa, there was no reaction from 870 committee regarding le comité 870 any reports. Ne réagissait pas concernant les rapports. I did not see such an incident. Je n'ai constaté aucun incident de ce type. Or scolding from the upper echelon regarding any report. Je n'ai pas constaté que
l'échelon supérieur ait réprimandé ou chapitré qui que ce soit à cause de l'absence de rapport. In your testimony yesterday, you stated that in general, incoming messages vous avez dit qu'en général, les messages entrants étaient adressés aux frères respectés. Et qu'il y avait certains messages adressés au comité 870 en l'absence de Pol Pot, qui prenait livraison des télégrammes en son nom et qui était habilité à répondre à ces télégrammes. Réponse. During the regime, I was within my decoding team. À l'époque du régime, je faisais partie de mon équipe de décodeurs. As I stated, there were various teams. Comme je l'ai dit, il y avait plusieurs équipes. Not inside, but it was outside. So whenever mon rôle I se situait à l'intérieur, non pas à l'extérieur. The message would send to the inside part, and they would quand je décodais un message, those messages. Celui-ci était envoyé à la partie intérieure qui faisait ce qu'il fallait. Anyone who would replace Pol Pot during his absence. Je ne savais pas qui pouvait remplacer Pol Pot en son absence. Je ne sais pas qui était habilité à répondre. Counsel, my next question. Question. Is related to the situation in Phnom Penh. Concernant la situation de Phnom Penh. And stayed in Phnom Penh, à compter du moment où vous êtes venu habiter et travailler à Phnom Penh, avez-vous été le témoin de quel incident que ce soit report to the chamber, dont to tell the vous chamber? Souhaiteriez faire état à la Chambre? Response. Réponse. Events that I encountered during the period that I stayed in from Phnom Penh, that durant is mon from séjour à Phnom Penh, 75 to c'est-à-dire late 76, de 1975 à fin 76, everything was kind of regular, but in late 77, il n'y a rien eu de particulier, mais early 79. À partir de fin 77 et jusqu'à début 79, it seems that everyone was insecure. L'insécurité semblait habiter I also tout le monde. Saw reports from the base. J'ai aussi vu des rapports provenant regarding des bases the incursion of et portant the sur conflict certaines incursions front. Et sur le conflit qui se déroulait sur le front de la frontière est. J'ai aussi vu des combattants blessés. And the hospitals were full of those wounded combatants. Les hôpitaux I also saw étaient pleins. People who were displaced. J'ai aussi vu from the east, des gens qui avaient été transférés depuis l'est and et some qui even went logeaient than Phnom Penh. Près de la rivière. Certains sont même allés plus loin que Phnom Penh. I also heard and saw that is in Phnom Penh during 1978. À Phnom Penh en 78. There were sabotage. J'ai aussi entendu parler d'actes de sabotage. Throwing, killing des grenades diplomates. Ont été lancées. And there were des diplomates étrangers ont été tués, des cadres ont été assassinés. That occurred in j'ai 1978. Vu et entendu cela en 1978. For all those reasons, I did not live happily. Pour I toutes was always ces raisons, concerned, and that was je my n'étais pas impression heureux. During that period. Je vivais constamment dans l'inquiétude. Voilà donc mes impressions. Quant à cette époque. Counsel, you said that question. There was a grenade attack. Vous avez parlé d'une attaque à la grenade. That act. Qui en and a été in what l'auteur? Period? Can you specify et the à quel moment cet incident est-il survenu?
response. Réponse. I did not know who actually conducted that sabotage. Je ne sais pas qui a perpétré cet acte de sabotage. It happened in 1978. Mes souvenirs, ça s'est produit en 1978. It was prior to the liberation on 7 April. Avant la libération January, du 7 janvier 79. Counsel. Question. My next question is related to the smash of the internal enemy within the party. L'élimination des ennemis. Was there any telegram talking about the purge of the enemy addressed to 870? Est-ce que des télégrammes ont été envoyés à 870 concernant la purge des ennemis internes? Response. Réponse. Regarding the purge, the smashing. Concernant la purge, I believe you ou l'élimination already des ennemis, the telegrams talking about all those things, je pense que vous avez the déjà vu le télégramme présenté par l'accusation there qui porte sur tout cela. A lot of telegrams, il existe about de that, nombreux so télégrammes no qui en parlent, say anything. Et donc pas besoin pour moi however, d'ajouter quoi que ce the, soit. The true meaning cela of étant, the purge or the screening or the smashing, la sélection, les purges, les exécutions, tout cela, je n'en ai jamais été témoin President, personnellement. Counsel, you are reminded that le your questions shall be directed maître, through the knowledge of the witness. Vous devez poser des questions not to put portant questions just for the sake of it sur les faits dont le témoin a connaissance. Of the witness, otherwise évitez you would waste your de time. Poser des questions sortant de ce cadre, car ce serait and une perte you de temps. Only have about 37 minutes. Il ne vous reste qu'environ 37 minutes to put question to this witness. Pour interroger ce thank témoin. Thank you, Mr. President, says the counsel. I have my last question. Civile. Merci, Monsieur le Président. Related je passe à ma dernière question concernant Nunchi, les communications Pol Pot, entre Nunchia, Pol Pot, Pol Pot et Khieu Samphan. Inseri and Pol Pot. Et did you entre Inseri et Pol Pot. About that communication or the relationship between these individuals? Aviez-vous des informations sur ces communications ou entre les relations entre ces personnes? Between these two ou bien people? Avez-vous entendu parler des relations entre and ces deux personnes your experience working for Office dans 870, le contexte de votre can you enlighten us expérience on this point? De travail au service du bureau 870? Pouvez-vous nous apporter response. Des éléments à ce sujet? Regarding the relationship amongst those leaders, concernant les relations entre ces dirigeants, it's beyond my knowledge. Cela dépasse le cadre during that de ce time, que je sais. I had a very minor role, à l'époque, so mon rôle était about the très mineur. Of those senior leaders. Je ne pouvais donc pas être informé des affaires concernant counsel, ces hauts dirigeants. Thank you for your response. Next, I would like to la give partie the floor civile. To merci my pour vos réponses. Counsel, je donne la you. Parole à ma consoeur international. Thank you, Mr. President. Merci, témoin, et merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président. Mesdames et messieurs les juges, good bonjour morning, à tous. Mr. President, bonjour, Monsieur your honors and everyone. Good morning, Mr. Je m'appelle Philippe Nsupang. Je suis, comme ma consoeur, avocat des parties civiles. Et je vais party également vous poser quelques questions. Co-lawyer. And I would like to put a few tout questions d'abord, to you. J'aurais souhaité revenir brièvement first sur, all, sur la période like de pré-75 et en particulier sur une déclaration que vous avez faite à M. le procureur and à, to
talk about a statement you made to the co-prosecutors on the 28th of August. Concernant les plans de libération de Phnom Penh, the plans to liberate Phnom Penh and the fight against Lon Nol soldiers, I received instructions regarding attacks. Il y avait en effet un plan qui existait. In fact, there was an existing plan. Ammunition was also ready. Nous donner plus de précisions sur cette déclaration? Give us more details on that statement and tell us what instructions you are talking about and to who precisely you gave such instructions. But the plan to attack Phnom Penh le plan was already d'offensive stated contre before the chamber, Phnom Penh, and I made it clear that j'en ai déjà parlé. I have no knowledge j'ai dit of this, clairement and I que never je n'en saw pas any telegrams et que je concerning n'ai jamais vu de order from Ankara portant to sur the military un ordre to attack any qu'aurait donné l'Ankara à l'armée direction. En vue d'une attaque dans telle ou telle direction. Je travaillais and à when l'arrière. It comes to the plans to attack Phnom Penh en ce qui concerne les plans sections, d'offensive contre Phnom Penh, was precisely clearly indicated to the chamber émanant that de telle ou telle section, it was Pol Pot j'ai déjà who dit clairement à la chambre the battlefront to the west que of Phnom Pol Penh. Pot se trouvait sur le champ de bataille and à l'ouest de Phnom Penh. He did not need to send any telegrams il n'avait pas besoin d'envoyer des télégrammes concernant l'offensive contre Phnom Penh. All divisions were located en effet, surrounding Phnom Penh toutes les divisions already, encerclaient and I was déjà attacked to Phnom the rear, Penh. Moi, je me trouvais à l'arrière I could not know anything about this. Et il m'était impossible de savoir quoi que ce soit à ce would sujet. Never reach my office at the banana ce plantation. Type de message ne serait jamais parvenu jusqu'à mon bureau dans la bananeraie. Je vous remercie. Ma question ne portait pas sur des télégrammes, mais sur, sur une déclaration que vous aviez faite à l'audience. Néanmoins, pour des raisons de temps, je passerai à ma prochaine question. J'aurais souhaité vous poser quelques questions concernant like votre famille, monsieur Nansopang. Lors de l'audience du 29 août dernier, vous avez très brièvement évoqué vos parents sous questionnement de Monsieur le Président. Pourriez-vous nous donner un peu plus de détails sur votre famille? Aviez-vous notamment des frères, sœurs, oncles et tantes? Particular brothers and aunts and uncles? The President. What does you are instructed not to respond to the question as it was not falling within the fact at issue. The President of the Chamber already put a few questions concerning the identification of the witness, concerning some questions concerning these family background of the witness, and it's already done. Cela a déjà été fait. Monsieur le Président, si je peux me permettre, j'essayais de resituer un petit peu la famille du témoin, savoir s'il avait une famille pour ensuite lui demander s'il avait été en contact, s'il était en contact avec cette famille durant le régime entre 75 et 79, puisqu'il n'en est fait aucunement état lors de dans ses auditions. As such information was not provided during the earlier hearing. The President, le président. Witness, you do not need to respond to this témoin, question as it does not contribute to any ascertaining of the truth. Ne contribue pas à la manifestation de la vérité. Monsieur Nansopang, j'aurais souhaité maintenant vous poser quelques questions. Concernant la situation à Phnom Penh entre 1975 et 1979, vous avez dit être arrivé à Phnom Penh fin de l'année 1975. Pourriez-vous nous décrire la situation de la ville de fin 1975 à fin 1979, s'il vous plaît? From the end of 1975 to the start of 1979.
But avoid a response. I already stated about this to the chamber. I talked about how I felt when I came to Phnom Penh, and I stated that Phnom Penh was very quiet. It was not as populated as Phnom Penh today is. And la ville d'aujourd'hui. What was strange to my feeling at that time was not observed. So there was none strange atmosphere. It was strange only by late 1977 and early 1978 that I felt there were some things that were out of the ordinary, and I already talked about this to the chamber. Pouvez-vous nous donner plus de précisions et nous dire quelles étaient les personnes qui étaient présentes à Phnom Penh à cette époque? Quel type de personnes? Who were they? Response. I saw factory workers, soldiers. J'ai vu des ouvriers, des usines. And mainly there were factory workers in the city, des ouvriers, those who travaillaient dans les usines de la ville, worked very hard to produce some goods to be distributed to the cooperatives at the bases. So these were the activities of the people I saw in the city, and the majority of whom were workers. La majorité de ces gens étaient des ouvriers. Je vous remercie. Aviez-vous l'occasion de vous déplacer régulièrement dans la ville? Did you have the opportunity à différents endroits, différents caps, to travel about the city at various occasions from various destinations to the next? Response. Réponse. I could not travel frequently because it was part of the discipline that everyone had to en raison de la discipline, perform our tasks devait se very well, and for that I could not leave my place for other locations. Raison, on some occasions, when I was assigned fois, to give some instructions on technical aspects to others, I already indicated about my services. For example, when I was needed to provide some trainings to people at the location where such techniques were needed, I would then go. At that time, even when my brother was sick, I was not able to see him because I could not make such a decision at my of my own accord. I did not there ask permission to leave work to visit my sick brother because I did not want to miss the assignment, the task as handed down to me by Ankar. J'avais des tâches à faire qui m'étaient confiées par l'Ankar et je devais les faire. Je vous remercie. Dois-je comprendre que vous n'aviez donc pas la possibilité de circuler librement ni dans la ville, ni dans les provinces, move about freely either in the city or in the provinces? Response. Yes, it is réponse. Correct. People could not move about freely. On ne pouvait pas se déplacer librement. Je vous remercie. Thank you. Vous avez déclaré que votre téléphone ne pouvait contacter que trois endroits, that you were only le bureau able to de telephone three places, les locaux de Loos Mr. et les locaux de Caen. Office, saviez-vous Nampin pourquoi? And Loos. Do you know why?
you were only able to be in communication with those three locations? Response. It was because the telephone line that linked to my location, it was the landline telephone. It was not the wireless telephone connection as we could do these days. The line was well connected directly to my place, my office. And the purpose of this was to facilitate the communication, the correspondences, and the orders or instructions that had to be rendered or communicated. And if I had to submit or transmit the urgent message to K18, and the message was very urgent, but it was not yet decoded, and it was time when it had to be communicated, I would then ask the people to wait or to hold on for about like 5 to 10 minutes before the communication could be disconnected, waiting for me to make sure that the message could be decoded and communicated. Donc je restais en communication avec eux pour qu'ils m'attendent afin de décoder et puis communiquer le message directement. Je vous remercie. J'aurais aimé maintenant revenir brièvement sur le rôle des enfants dont vous aviez la charge et qui vous aviez la charge de former et qui également décoder des messages avec des messages and telegrams. Can you please tell me, sir, comment et par qui ces enfants ont été choisis pour être envoyés à Phnom Penh? Were chosen to come to Phnom Penh and by whom? Response. Those children were recruited by the local organization or ANCA. First, they were not sent directly to my office. I knew this because I asked these young people who told me that first they were made to stay at a location along the riverbank. I didn't ask more information concerning their whereabouts before they came to my office. Then after they gathered all together, they would then be sent to me. Some of them were not literate. They could not read or write, and I had to also teach them to read and write. Donc j'ai dû aussi leur apprendre à lire et à écrire. Je vous remercie. Savez-vous s'ils ont été choisis sur des critères précis? Do you know if they were chosen based on any specific criteria? Response. The basic criteria at that time was more on the good, clean class. Those who were the children of the base people. Venir d'une bonne classe propre. This was part of the principle for recruiting others to work. They would like people who were honest. Honesty was really important at that time. L'honnêteté étant très important à cette époque. Je vous remercie. Thank you. Vous nous avez indiqué que ces enfants avaient entre 10 et 12 ans. Quelqu'un était-il en charge de s'occuper de ces enfants, de prendre soin d'eux, ou bien était-il livré à eux-mêmes? Réponse. I do not know whether
I did mention that the children were je ne sais pas si j'ai déjà 10 dit years old. I think that there could have been a typo error. C'était I have said that the children were as young as 12 years old. Moi, j'ai dit qu'il y avait des and when they were already at ans, this age, they could be on their own. Dès cet âge, for example, they could dress by themselves, they could take care of themselves. And at the same time, I also treated them as my younger siblings or brothers and sisters. When at night they forgot to cast the mosquito net, I would then help prepare the bed for them because I was at that time as their second parent already. J'étais un peu comme un deuxième père pour eux. Je vous remercie. Je vous confirme que lors de votre première audition par les juges d'instruction, vous aviez répondu qu'ils étaient âgés de 10 à 12 ans. C'est dans le document E3/67/641-696 et le RN en anglais 00 33 40 46. Je n'ai malheureusement pas le RN. Je voudrais vous poser une dernière question concernant ces enfants. Étaient-ils soumis à une discipline stricte, comme c'était le cas pour les autres personnes, as was the case for other individuals? Response. At my place, there was no strict là où j'étais, discipline. These children were regarded as the most sincere people already. Les enfants étaient and they also enjoyed some freedom in eating and living. At the school, they could really make use or eat the coconut and fruit that could be picked from the fruit trees in the premises. And they were allowed to do that, and I never stopped them from doing so. So their living condition was decent and there was no pressure being imposed on them. On ne leur mettait pas la pression. Je vous remercie. Étaient-ils jamais soumis à des punitions? Thank you. And were they ever punished? My response. I personally never imposed any torture on any of them. If they fail to perform their tasks properly to the best capacity, I would then be the one who advised them to improve, to correct the shortcoming, and would ask them to become good citizens for the party and for the country. I never resorted to using tortures as part of the approach to educate young people. Pour éduquer les jeunes enfants. Je vous remercie. Thank you for that answer. J'aimerais maintenant revenir sur une déclaration que vous avez faite au bureau des co-juges d'instruction lors de votre seconde audition. Il s'agit donc du document E3/67, ERN français 00 37 4 9 3 3. ERN anglais 00 4 8 3 9 6 6 et ERN Khmer 00 2 9 4 5 3 7 3 7. Dans cette déclaration, vous dites: le terme retirer veut dire retirer d'un endroit ou bien transférer d'un endroit de rééducation à un autre. Mais je ne savais pas exactement, car je ne faisais qu'accomplir mon travail. Moi-même, j'avais aussi peur d'être retiré,
parce que quand on nous retirait, cela veut dire removed, que nous avions commis une telle ou telle faute. Quant au fait qu'on retirait des gens de mon endroit, je n'en savais rien. À ma connaissance, Youth a été retiré, puis remplacé par Pauk à sa place. Quant à Pang, T de K1, je n'en savais rien. Mais peut-être qu'ils ont eux aussi été retirés. Pour Pong, je n'en savais rien. Entre T et Pong, je ne sais pas qui a disparu le premier. Alors, j'aimerais tout d'abord vous demander quelques clarification quant à cette déclaration qui est parfois contradictoire. Je ne suis pas bien sûr de comprendre. Est-ce que savez-vous si T et Pong ont été retirés ou savez-vous s'ils ont disparu? Now, do you know if Pong and Tet were removed or do you know if they disappeared? Response. At that time, I did not know when these people disappeared or removed. Je n'étais pas au courant à l'époque. Or were removed. The investigators tried to ask me this question time and again. I already stated very early that I did not know from the beginning. J'ai déjà dit que je n'ai jamais été au courant. First, he asked me to explain about the removal of people, and I started to explain on this. But then more and more questions were bombarded on me on Pong and Te, and I had nothing but to say I didn't know. And you could also see my statement, and indeed the statement could not be used as the evidence because I said I didn't know. I do not know what happened to the removal of people at the base. I do not know how this worked. And I was concerned. I was very worried that if I myself did not perform my task very well, I would also end up being removed. So I tried my best to refashion myself to ensure that I follow the good moral ethical code of conduct, and by doing so, I was sure that if I committed no wrongdoing or mistake, I would not be the one who would be removed. So at that time, I personally did my best to correct myself, to build myself to the full capacity, so that I could be free from being removed. Au mieux de mes capacités pour éviter d'être retiré. Je vous remercie pour ces précisions, Monsieur Nortsepang. Thank you for those details, Mr. Nortsepang. Au-delà de T et Pang, est-ce que, puisque vous évoquez vous-même cette peur d'être retiré dans le cas où vous n'effectueriez pas votre travail correctement, avez-vous remarqué, est-ce que cela signifie que vous aviez remarqué autour des de vous des gens qui disparaissaient? Y avait-il des disparitions sans parler de noms de personnes précises? Était-ce un phénomène courant autour de vous? Did you notice people vanishing or disappearing while you were there? Response. I learned that when Youth disappeared, Pauk was called to become the chair of K18. That really made me feel that it was not normal, because I used to receive instruction from Yu, but by 1978 it was Pauk who was the person I needed to talk to other than Yu. The missing or disappearance of Yu made me worry,
because I felt that he did not disappear for no reason. Parce que je me suis dit qu'il devait y avoir une raison à sa disparition. Jules did not commit any wrongdoing, then Polk would not be the one who was assigned to replace him. Ne l'aurait pas remplacé. Je vous remercie. J'aimerais à présent revenir quelques instants sur le comité 870 et sur ce qu'il représente. Durant vos deux auditions par le bureau des co-juges d'instruction, tout comme durant ces derniers jours à l'audience d'ailleurs, vous avez évoqué le comité 870 de nombreuses fois. Toutefois, il m'apparaît certaines zones d'ombre quant à sa définition, puisque vous le définissez parfois comme étant le comité permanent et parfois comme étant le comité central. Alors pourriez-vous m'expliquer quelle est pour vous la différence entre ces deux comités, s'il en existe une? But on look response. Réponse. I think you are employed at even the United Nations body, and I think at the United Nations there would be a kind of standing committee body, and I should not wish to elaborate further on this as it is commonly known. Je ne tiens pas à en parler davantage, c'est quelque chose qui est un fait notoire. Je ne sais pas s'il y a un problème de traduction, mais j'essayais d'obtenir une précision de votre part, puisque lors de vos auditions, et je vais reprendre les PV, vous citez tantôt, vous faites une différence entre comité central et comité permanent. Central et permanent, vous définissez tantôt le comité 870 comme étant le comité central, et parfois comme étant le comité permanent. Je souhaiterais donc savoir s'il s'agit de la même entité. And I just want to make sure that it is one and the same. Response. I am not really sure concerning the term committee. That's why I stated as what I'm not comité. Sure. Sometimes I read committee 870 or sometimes office 870. Sometimes they only noted 870 alone without committee or office. And this makes it difficult for me to be more precise because the terms are interchangeably used and it's difficult to recognize it as which is which. Je vous remercie. Donc, pour être bien clair, thank you, sir. Pour vous, les termes comité 870, comité permanent et comité central se référaient à la même chose. All refer to one same and single entity. Is that correct? Mr. President, I may. Maître Carnavas, Monsieur le Président. It mischaracterized the gentleman's testimony. It is what it is. We have his various answers on that. Now, we're trying to summarize it into what would appear to be inaccurate based on his previous answers. So I think it's been asked and answered. We got the answer. Time to move on. Je pense qu'il a donné une réponse à la question et qu'il faut maintenant passer à autre chose. The President, witness is now instructed not to respond to the question. Veuillez ne pas répondre à la question. Monsieur Nansopong, j'aurais souhaité à présent vous poser quelques questions. I would like to ask some questions sur Nunchia. Regarding Nunchia, and I'd like to refer to votre audition. Your
interview, dans votre première audition par le, bureau des coaches d'instruction, lors de votre premier interrogatoire, un certain nombre de télégrammes vous ont during été présentés. Les télégrammes qui ont été repris to you, hier par Monsieur le coprocureur, il s'agit du télégramme 15, le document E3/1679 et le télégramme 54, numéro E3/513. Lorsque vous avez été interrogé sur ces deux documents par le bureau des juges d'instruction et qu'on vous a en particulier demandé pourquoi Nunchia a été copié dans ces messages, vous avez, pour ces deux télégrammes, répondu « Nunchia était responsable du secteur relatif au peuple. Il était chargé des affaires relatives au peuple. » Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'expliquer exactement ce que signifie que Nunchia était responsable du secteur relatif au peuple. Quelles étaient concrètement ses responsabilités? What were precisely his responsibilities? Réponse. It was a public announcement that Mr. Nunchia was attached to the People's Representative Assembly, and he was also the chairperson of that institution. Dont il était le président. So as the People's Representative, he shall know whatever matters that relevant to the people. And he was at the supreme body to be in charge of all matters relevant to the people as he was representing them. Qui était responsable des affaires et entrées au peuple parce que c'est lui qui le représentait. Je vous remercie. Thank you. J'aurais souhaité maintenant faire référence à une autre de vos déclarations. To another statement. Il s'agit encore du document, document E3/64, ERN français 00401708, ERN en anglais 00033 0058 et ERN Khmer 00 3 8 0 4 8 0 4. Vous avez également donc déclaré les problèmes intérieurs et d'inconduite morale relevaient de Nunchia. Problems of misconduct were under the jurisdiction of Nunchia, and you subsequently state regarding moral offenses, they were. Pourriez-vous nous dire si vous avez eu affaire à beaucoup de télégrammes se référant à des cas d'inconduite morale ou de viol? Many telegrams dealing with the moral misconduct, specifically rape. Réponse. The telegram on the moral offense, I think what you saw is what I saw. S'agissant de télégrammes sur la conduite morale, ce que vous avez vu, c'est ce que j'ai vu. From Mundalkiri. Un télégramme a été envoyé depuis le Mundalkiri. J'ai vu seulement un télégramme sur ce type de choses. When someone was reported as having committed moral offense, it means that person could have been committing the sexual offense or misconduct. À un acte d'inconduite à caractère sexuel. I do not recall having seen any other telegrams from any other sectors other than the one you indicated on this matter. Exception faite de celui que vous avez mentionné.
Je vous remercie pour ces précisions, Monsieur le témoin. Thank you for these clarifications. J'en ai presque terminé witness. Avec mes questions. Sur une dernière déclaration que vous avez faite. I would like to refer you to a last statement you gave, and that was your second interview donc given to the co-investigating judges, document E3/67, and this time the ERN ERN en français. In French. 00 39 35 49 45 ERN en anglais 00 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8
sans même parler de unité militaire. The president, counsel, could you advise the chamber? Le président. How much time? Maître, how much more time? De combien de temps? Because it's really. Avez-vous encore besoin? 12. Il est déjà midi 8. J'en ai terminé avec mes questions, Monsieur le Président. Je vous remercie. I am done with my questions, Mr. President. I thank you. The President. Le Président. Thank you, Counsel. Thank Merci, you, Mr. Witness. Maître. Merci, Monsieur le Témoin. The hearing session now for this morning comes to cette audience a conclusion. Touche à son terme. The chamber will adjourn, and the next session will be resumed by tomorrow at 9 a.m. The chamber wishes to remind parties to the proceedings and the public that there is not going to be a trial hearing because the chamber has other issues to attend to. Car la chambre doit délibérer de certaines for tomorrow's session, the chamber continues demain, hearing the testimony of Mr. Long Sopong and the questions Sopong, to be first put by counsel for Kyu Sopong before the other two Sopong. Defense teams. Après quoi, les deux Mr. Long Sopong, your testimony has not yet been concluded, so terminée. You are now invited to come to the courtroom again tomorrow. Court officer demain. Is now instructed to assist Mr. Long Sopong during the adjournment and have him return to the courtroom by 9 a.m. tomorrow. Security personnel are now instructed to bring all the accused persons to the detention facility and have them return to the courtroom before 9 a.m. The court is adjourned. Somme bien grand cœur. L'audience est levée.